Après tout ce temps, les amis, autant de farm, autant d'heures de live, de minage, on a enfin réussi à farmer et l'avoir grâce à un peu tout le monde. Donc, il y a Itwix qui a contribué, il y a d'autres membres de la fac qui ont donné des pipites pour crafter des métiers et tout. Oh my god, on l'a enfin, les amis. Vous êtes prêts? Oh là 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 là. On prend les ventilateurs, on prend tout, on prend ça. Les gars, putain, je crois qu'on est les premiers à l'avoir sur le serveur. Oh ok, vous êtes prêts? Je crois que c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a générateur de points. Et si je me trompe pas, c'est que ça comme ça. Le cœur au milieu. En haut. En bas. Oh Talam! Le cœur de faction, les gars. On a le putain de cœur de faction. Oh my god, les gars. Faudrait surtout pas que je le drop au spawn, hein. Oh my god. Premier cœur de faction, gros. Oh my god. Oui! Oui, les gars. Oh my god, vous comprenez pas que c'est qu'on essaie de j'essaie de le faire depuis le début de l'ouverture et je l'ai enfin eu les gars. Oh my god, je suis trop content, je suis trop 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 content. Sachant que j'ai tout 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 crafté moi-même, tout utilisé mes métiers et tout. Franchement, enfin on l'a quoi. Je vais le mettre dans mon je vais le mettre dans mon EC parce que je vais aller à la base et je vais pas le perdre parce qu'on sait pas s'il y a peut-être des gens qui ont réussi à rentrer dans la base. Mais oh my god les gars quoi, c'est un truc de malade. BP, je vais voir si on peut le mettre dans l'eau. J'espère qu'on peut le mettre dans l'eau en vrai, ce serait trop bien. Parce que si on peut le mettre dans l'eau, je le mettrais juste ici en plein centre en fait. Genre sur ce bloc là même, je crois. Et on va voir si on peut le mettre dans l'eau. J'espère qu'on peut le mettre dans l'eau. Non, on peut pas. On doit laisser un espace de 3 par quoi autour du cœur. Donc, ok, comment qu'on va faire ça? Ah, c'est chaud quoi. Comment qu'on va faire ça? Comment qu'on va faire ça? Comment je devrais le faire, les gars? Premièrement, je vais acheter de la space obsidienne. Ou je vais en crafter, je sais pas, mais on va acheter certainement de la space obsidienne. S'il y en a, genre ça, tu vois, attends, space obsidienne, il y en a peut-être pas en vente. Au pire, j'ai jamais hâte. Space. Non, ouais, il y en a 26 pour 1000, on va acheter ça. On va refaire ça, on va acheter encore. La space obsidienne, je vais en racheter pour 200. Voilà, bon, ça vaut le coup. On va entourer le cœur de space obsidienne, ça c'est sûr à 100%. Mais où est-ce qu'on va le placer, ça je sais pas trop en fait. J'ai gagné un space en votant. Moi aussi il faut que j'aille voter en passage, il faut que j'aille voter aussi. Alors, je vais essayer de réfléchir les gars, et puis je vais vous revenir. Là on va enlever toute l'eau. On va enlever la cobble là. On va mettre le cœur, on va placer le cœur au milieu. On va l'entourer de Cripsy, de Space Opsy plutôt, pardon. Et ensuite on va sécuriser cette salle. On a mis des access dans le claim. Donc F manage, normalement, oups, F access. Manage. Normalement, il n'y a que Nathan, Icons, eFlash, eTwix et Farcox et Dark Ordi qui peut éditer tout ce territoire ici. Donc, voilà. TP pillage. Attends un instant. On va juste enlever l'eau qui est en dessous des coffres. Voilà. Voilà. Normalement, ça va continuer à descendre, les gars. Super. On va être en bas. On va pouvoir. Ça va être. C'est quand même. Je veux dire, c'est quand même sécuritaire de faire ça comme ça parce que si vous saviez pas. Le cœur, il est destructible seulement à la TNT. Donc, mais il faudrait être sûr à 100%. Je vais quand même envoyer un DM Twitter aux admins. Mais normalement, on m'a dit que c'était 100% sûr que c'était qu'à la TNT. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo aussi, dans ma vidéo de présentation, un peu vite fait. Voilà quoi. Tu vois, ça date MC. Ben oui, ça date quoi. Ça date les gens qui utilisent Vape et tout quoi. Ok, ça c'est fait. On va enlever le coffre. Si ça te dérange pas, gros, on va enlever le coffre. Il n'y a rien vraiment d'important dans le coffre de toute façon. Dans les coffres là, on peut les laisser pour l'instant, pas de souci. Bon, t'es prêt, Twix? Je te laisse filmer si t'es en train d'allumer ton rec ou pas. On va le mettre en plein milieu. Il n'y a pas un bloc milieu-milieu, genre? Ah non, c'est du 16 par 16, donc il n'y a pas vraiment de bloc du milieu, je crois. Attends, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il n'y a pas de bloc du milieu, mais bon. On n'a pas le choix, quoi. C'est dommage que ce soit pas centré, mais let's go. Le cœur de faction il est posé les gars. Oh là 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 là. Et là faut lui mettre des minerais normalement. Ouais non ça a pas assez de carburant. Ouais ça fait un peu de carburant. Vous voyez ça fait un petit peu de carburant mais bon. Le meilleur minerai, faudrait mettre du meilleur minerai en fait. Attendez, je vais aller en haut à la base. En haut de la base je crois qu'il y a des minerais dans le coffre. Au pire attendez, attendez. Meilleure idée, je vais juste bouger. EC, j'ai un peu de minerai de ça et ça. Donc on va en mettre la moitié. Donc les pipites, attendez, attendez, attendez. Laissez, faites-moi confiance. Regardez, normalement avec ça, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, avec ça va aller beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Voilà, là les points vont se faire. Il faut mettre normalement d'autres minerais. Je sais pas c'est quoi le minerai le mieux.
Toutes les infos sur le coffre sont sur le wiki. Ah, ok, nickel. Wiki. Y a pas un truc? Guide de bienvenue. Il m'a dit que c'était quoi sur le site. Ok, bon, puis je vais cliquer. Oh putain! Ok, donc, j'ai ouvert la page. Merci à Rouleboulou pour m'avoir envoyé. Donc, pour que. Ok, présentation générale. Les cœurs de faction permettent de générer automatiquement des points de faction en consommant divers minerais. Chaque minerai fera fonctionner le cœur pendant une certaine durée définie. Liste des durées définies ci-dessous. Je vais vous la lire un peu plus tard. Et le cœur produira constamment un point toutes les 4 minutes, à condition qu'il soit en fonctionnement. Les cœurs peuvent être attaqués par les factions ennemies à coups de creeper et de TNT. Ah! De creeper? Actuellement, 64 explosions nécessaires sont pour casser un cœur entièrement. Chaque explosion permet à la faction qui attaque de récupérer une partie des points de la faction attaquée, en sachant que le fait de casser entièrement. Mais merde! Je l'aurais pas posé là sinon. Ah fuck! Je savais vraiment pas que ça prenait. Ça marchait au creeper. On m'avait dit que c'était juste à la TNT. Ah putain, au prix que ça coûte, gros! C'est un peu de la merde au creeper en fait. C'est un peu de la merde. Parce qu'au prix que ça coûte à côté, ça m'a coûté super cher. Je suis un peu déçu pour le coup. Je suis un peu déçu, mais bon, je vais quand même essayer de le protéger le plus que je peux, quoi. Mais quand même. Des cœurs, la pointe. Ok, quel minerai qu'on peut insérer? On peut insérer de l'urite, des pépites d'urite, du sélénium, des pépites de sélénium, du titane, du pépite. Et combien? Ah ouais, 12 minutes, 40 minutes, 3 heures. Donc si on met du titane, ça dure 3 heures. Si on met du space, c'est 36 heures. Si on met du pépite de space, c'est 4 heures, ainsi de suite. Ok, je vois. Conditions pour placer un cœur. Il faut remplir quelques conditions. La faction ne doit pas être, ne doit pas déjà avoir un cœur. La faction doit être, le cœur doit être placé sur le claim de la faction. Le cœur ne peut pas être placé sur, en bordure de claim. Le cœur doit être placé dans une zone vide de 3 par 3. Le cœur doit être placé par le chef de la faction. Donc voilà, c'est pas mal tout à savoir sur le cœur, etc. Je suis un peu déçu que ça prend des dégâts avec le creeper. Franchement, je suis vraiment déçu pour le coup. Parce que, comme on m'avait dit, moi, c'est que ça ne s'est pas été au creeper. Ça allait être juste au truc. Donc ça, je suis un peu déçu pour le coup. Mais bon, je veux dire, quand même. C'est quand même intéressant. On a quand même le truc en premier. Donc on peut faire un contour autour du truc normalement. On peut pas poser juste ici. Donc là, on va essayer d'entourer le plus qu'on peut, les gars. On n'a pas trop le choix. Qu'est-ce que je pense qu'on va faire? C'est qu'on va faire des couches de space obsidienne, quoi. Et on va se faire un home à l'intérieur. Je pense que ça serait la meilleure solution. Un home à l'intérieur avec une couche d'eau ici sur le tour, ici. Même avec peut-être même des barrières et de l'eau autour, je sais vraiment pas en fait. Hein. Je sais vraiment pas comment qu'on pourrait faire. En fait, je crois qu'on peut trouver peut-être un usebug. Peut-être qu'on peut faire un usebug. Je sais pas si un de vous peut aller me chercher un seau d'eau, les gars. Ce serait énorme si un de vous peut aller me chercher un seau d'eau. J'en avais mis un dans le coffre tout à l'heure. Ouais, il est plus là, mais si un de vous peut me mettre un seau d'eau, peut-être que vu qu'on peut peut-être poser au-dessus du cœur, normalement, genre ici. Ouais, on peut. Donc ici, peut-être qu'on peut faire poser de l'eau. Peut-être qu'on peut faire tomber de l'eau autour du cœur. Je sais pas, on va essayer, on va voir. Le truc consommation de ressources, le cœur, ouais, il va produire dans bientôt là. Ça va prendre un peu de temps, mais bon, on laisse juste un trou. On peut pas laisser juste un trou, justement. Regarde, on peut pas, ça veut pas. On peut pas build autour ici, regarde. On peut pas build dans les coins. Donc, attendez, je vais essayer de. Donc, le cœur de faction, ça coûte super cher, super rentable, je trouve, personnellement, parce que bon, certainement, ça prend du temps. Je vais vous mettre toutes les informations dans la description et dans le chat du live pour savoir la page que Rouleboulouk m'avait envoyée. Je vais vous mettre toutes les informations. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un coup d'œil, parce que si vous mettez du space, ça va durer pendant 36 heures de carburant, etc. Donc, ça peut vraiment être intéressant de mettre du space. D'ailleurs. Je vais voir si c'est encore un space à l'HDV. Un space à 11 000. Non, je vais pas le mettre du space à 11 000. 11 000, j'ai pas 11 000, je crois. Non, j'ai 8 500. Je vais acheter la métée. Je vais la mettre la métée dans le. Dedans. Tiens, je vais l'acheter. Je vais la mettre dedans le cœur. On va enlever les pépites et on va mettre ça. Je vais juste voir si ça. Si on fait ça comme ça, est-ce que ça. Ok, consommation de ressources. Ok, normalement, là, ça devrait durer vraiment longtemps. Selon mes calculs, hein. Je dis bien selon mes calculs. On va enlever le titane. Le titane, c'est plus utile. On va le garder. Mais sinon, ouais, ça devrait être plus utile comme ça. Bref, dans tous les cas, quand il y a un point dans le truc, vous faites récupérer. Voilà, et là, ça rajoute un point au classement dans votre F truc ici. Comme on peut voir ici. Ico nous a récupéré un point. Nathan l'a récupéré avant. Et au bout de certains temps, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir rattraper les factions qui sont ici. Bon, certainement, eux sont à 70 claims. Donc, nous aussi, il va falloir avoir 70 claims pour pouvoir compétitionner avec eux. Parce que, vous savez, les amis, avoir des claims, ça donne énormément
de trucs, mais notre faction elle est ici. Comme vous voyez, nous on a seulement 50 claims presque. Donc quand on va avoir les autres claims en plus, ça va nous donner masse de points et on devrait être dans la championne. Je vais essayer de voir si on peut pas faire un claim de plus de protection. F-claim 5 peut-être. Vous avez atteint la limite de claim. Donc ouais, vous voyez, là on a la limite de claim. Vous voyez, là on est redevenu légende et là on est à deuxième au classement, vous voyez. Donc c'est ce que je vous disais, ça monte assez rapidement un coup qu'on a les claims. On est deuxième, eux ils ont un petit peu plus de points que nous, je sais pas eux. Je sais pas, je vais aller voir. A été tué, ils ont surtout... Comment ils ont fait pour avoir plus de points que nous si nous on a la machine à points? Nous on a perdu des points. Nous on a perdu des points. Eux je vois qu'ils ont été tués, ils ont perdu quelques points. T'es tué. Je sais pas, hein. Je sais pas, c'est bizarre. A claim 74 chunk. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont plus de points que nous, mais on va vite fait les rattraper, inquiétez-vous pas. On est à quelques points d'eux, comme vous voyez, une vingtaine de points. Donc, on va juste récupérer les points dans notre cœur de faction et ça devrait être bon. Donc, merci à tous d'avoir écouté la vidéo. Sincèrement, c'est la nouveauté la plus intéressante de Skill PvP selon moi. C'était hyper difficile à crafter et j'ai tryhard pendant au moins 12 heures de temps pour vraiment trouver le space, faire des échanges, etc. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et aussi, je l'ai tout fait en live. Donc, si vous voulez voir le gros live où ce que je l'ai fait, c'est en fait un live de 2 heures à peu près qui va être disponible. Ça va s'appeler Icons des mineurs, cherche des reines morts, un truc comme ça, si vous voulez vraiment voir comment on a fait pour l'obtenir. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, merci à tous d'avoir regardé le live. C'était vraiment sympathique. Je vous aime, c'était Icons. Ciao, ciao. What the fuck, monsieur Noobie m'a donné de rien, je vais pas jouer, donc je te donne car t'es un bon youtubeur, continue. Merci. Il m'a donné un space, un œuf de creep, 5 tita, tout ça en fait. Il m'a donné tout ça, à peu près, toutes les minerais et tout. Hey, gros merci à toi, monsieur Noobie, j'apprécie. Monsieur Noobie, merci beaucoup. Merci, bête. Yop les gars, on se reprend très longtemps après dans le fond parce que j'ai pas joué toute la journée du 3, j'ai pas joué, j'étais un peu dégoûté. En fait on a perdu notre cœur de faction les amis, on s'est fait trade et en fait il y avait un bug. Parce que normalement, tu peux pas attaquer une faction qui n'a pas de cœur. Donc exemple, toi t'as pas de cœur, ben tu peux pas attaquer une faction qui a un cœur. Donc ça, c'était un peu mal configuré, il y avait une erreur là-dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En le fond, c'est Oroulboulouk, je crois, ou un admin, je sais plus exactement qui, nous a donné seulement le React. Attends, je vais regarder le wiki pour pas dire de conneries. Mais ils nous ont donné juste le générateur de points et la base, et on a dû recrafter les autres trucs. Donc bon, c'est quand même été gentil qu'ils nous remboursent une partie, vu que on a quand même été les premiers à tester le truc, on a vu qu'il y avait un bug, ils ont vu qu'il y avait un bug, etc. Donc ils nous ont quand même redonné des pièces. Mais c'est gentil de leur part. Aussi, je trouve que c'était ben justement dommage que ça soit arrivé à nous parce que nous on aurait pu vraiment être bien au classement et tout. Là on doit tout recommencer une base. Mais là si on regarde le classement, la FF Pêche qui nous allie, eux ils ont aussi un cœur maintenant. Donc ils ont activé un bouclier de anti-perte de trucs, mais ils ont aussi un des points, regardez, à récupérer des points au cœur, donc 200 points, etc. Il y a aussi la faction de F-Info Kit-Kat-Ben. La faction de Kit-Kat-Ben aussi a des points, donc voilà, maintenant il y a plusieurs factions qui en ont. Nous, on est encore au stade de recréer une base encore, parce que, comme je vous l'ai dit, on s'est fait piller, c'est ce qui est dommage, quoi. Ça nous a retardé un peu. Mais sinon, voilà pour la vidéo du cœur. Vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le cœur. Je suis vraiment content d'avoir été le premier quand même à réussir à avoir un cœur, même si ça n'a pas duré longtemps. Ça fait quand même plaisir. Là, on va continuer à travailler sur une base. On est qu'au début de la base, les amis, mais on va continuer à l'agrandir, etc. Il faut surtout miner pour l'instant. Mais bon. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo aussi. J'espère que vous aimez les uploads de Skill PvP, les amis. Je vais continuer à faire des vidéos, je l'espère du moins. Et puis, j'espère que vous allez continuer à les apprécier, les liker, les partager avec vos amis. Même si je perds des abonnés à chaque fois que je poste une vidéo, c'est pas grave, ça me motive à essayer de en regagner. Mais pour l'instant, c'est tout ce que Minecraft est en train un peu de mourir. Donc, on va essayer de le retenir en vie. Likez la vidéo, commentez, partagez avec vos amis, ça me ferait super plaisir. Je vous aime, c'était Icons. Ciao, ciao!